et mon cœur pris ailleurs, ne doit surtout pas succomber. Je l'aime déjà, j'ai tellement subi, je ne veux plus souffrir. À quelle heure entrez, maman? À 2h du matin. 2h du matin? L'école lag? Bon, ça passe au pas manger matin. Ou d'amour, ça. Tilda, on va faire une bêtise. Une bêtise? Quelle bêtise? Mais bah, ouais, j'ai un billet à côté, pratiquement, dire que moi-même. Ah, bêtise, ça. Bêtise, tout le monde qui fait que moi, je faut pas jouer avec quelqu'un comme ça. Ah. Moi, tu vas me tenir à frapper n'importe quoi. T'as mon magasin qui est. Oh, j'ai tout pas là. Petite, j'ai l'impression. Où prend? Donne, braille. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as bien dormi? Je pourrais dormir encore un peu. Écoute, Roger, je suis désolée pour le billet. J'aimerais que tu me le rendes. À tes guises? Mais je ne l'ai pas avec moi et je voudrais que qu'on se parle. Eh bien, rentre. Nous allons de préférence à la maison, on sera plus à l'aise. Mais il y a beaucoup plus de monde chez toi qu'ici. Mais non, les autres sont sortis. Alors? Attends, j'arrive. Pas fait notre bêtise, non? T'inquiète pas. Alors, on y va? Oui, on y va. Le soleil te gêne? Non, ça va, ça va. T'es sûr que tu veux pas me lever? Non, ça ira. Le bal était très intéressant hier soir. Ouais. C'est ça que Grégory et Philippe sont restés jusqu'à 3h du matin. Ils sont rentrés complètement ivres. Qu'est-ce que tu fais plus tard? Moi, je reste à la maison, je ne sors pas. Et pourquoi? Oh merde. Écoute, retourne chez toi, je te dirai plus tard. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien, tout va bien. Écoute, je t'expliquerai plus tard, d'accord? Mais tu es sûr? Ne reste pas là, je t'en prie, ça ira. Merci. Joanne, qu'est-ce que tu fais ici? J'oublie la bonne manière, chérie. Même pas un petit bonjour. J'ai voulu te faire une surprise. Tu as l'air surpris, bien sûr. Je m'attendais pas à te voir. Bon, eh bien, ça a marché. On dirait que tu as goûté. Tu manges bien ici? Oui, la nourriture est très bonne ici. Excuse-moi. Vous auriez pu faire le ménage. Tu cherches quelque chose? Est-ce que tu aurais pris quelque chose de ma chambre? De quoi tu parles? Sois plus spécifique. Bon, ça n'a pas d'importance. Assieds-toi, je vais te parler. De quoi tu veux me parler? De nous. Ah, je t'écoute alors. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire? Non, 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 je t'écoute, c'est plus important. Écoute, Joanne. Cela fait très longtemps que l'on se connaît. Et nos familles aussi. Nos pères étaient de très bons amis avant qu'ils ne périssent ensemble dans un accident de voiture. En effet, le mien serait encore vivant si le tien avait un petit peu plus d'égard pour le code de la route. Joanne, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi. Mais depuis quelque temps, je me pose des questions sur notre relation, sur l'avenir de notre relation. Tu sais, je crois que l'air de Jacqueline ne te va pas bien, finalement. Je suis un petit peu fatiguée, je vais me reposer. On commence à plus tard. Assieds-toi, Joanne. J'ai pas envie de m'asseoir. Je te dis de t'asseoir. Cela fait trop longtemps que j'avale tes saloperies. Ah bon? Et que je ne ressens absolument rien pour toi. Je ne vais pas traîner toute ma vie ce sentiment de culpabilité, ce remords que tu veux m'imposer. Mon père, lui aussi, est mort dans cet accident de voiture. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Au contraire, l'air de Jacqueline me va merveilleusement bien. Il m'a permis de réorganiser mes pensées, de voir clair. J'ai profité du temps pour m'analyser et pour savoir ce que je ne veux pas. Ce que tu ne veux pas? Ce que je ne veux plus. Je ne veux plus être l'enfant soumis qui accepte tout de toi et qui tolère tes moindres caprices. J'ai fini par réaliser que nous avons des différences énormes.
que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. En d'autres termes, je voudrais que cette relation s'arrête là. Tu sais quoi, Roger? Comme ça, Roger, ça te passera. Parce que tu sais quoi, ce sera moi, personne d'autre. Ok? Étranger désire louer une maison meublée avec piscine. Avis de divorce. Autant pas se marier. Tu me sers un verre? Un verre. Sec ou avec glace? Sec, je t'en prie. Merci, Christophe. Hey, Grégory. Tiens, quelle surprise. Qu'est-ce qui t'a mené? Je suis mieux récupérer mon bien. Il n'y a pas de sécurité avec vous. Bien. Et où étais-tu? J'avais été faire un tour depuis quand tu me surveilles. Écoute, je vais débarrasser ma chambre, tu pourras y dormir. Non, c'est pas nécessaire, on va t'avoir au prince aujourd'hui. Hein. Comment on va t'avoir au prince aujourd'hui? Tu es rentré seul si tu veux repartir avant la fin de mes vacances, vas-y. Pourquoi je t'excite? Je reviens de la téléco, j'ai appelé pour au prince pour vous prendre des nouvelles de ta mère. Il me semble qu'elle a une disposition au cours de la nuit. C'est pourquoi je te le dis d'ailleurs. Comment elle a eu une disposition? Je lui ai parlé hier. Elle allait bien? Je sais pas, moi. Tu as envie de t'exciter, tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Attends, je prends mes bagages. Qu'est-ce que tu fais? Ma mère ne supporte pas très bien, je dois rentrer à Port-au-Prince. Ah ouais? Tu veux qu'on vienne avec toi? Mais non, ça ira. T'es sûr? Absolument sûr. J'espère que c'est pas trop grave quand même. Je l'espère aussi. J'explique aux autres. Ok. Soyez prudents sur la route. Merci. Bye bye. Je suis désolé pour tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Je comprends. Mais où est ton sac? Il est déjà dans la voiture. Ah bon? On y va? Mais que dit le médecin? Quel médecin? On a appelé un médecin au chevet de ma mère, non? Non, chérie, je suis désolée. Non, j'ai pas appelé. Ta maman va bien, ok? Quoi? Comment? Tu m'as menti au sujet d'une chose aussi importante? Mais je ne sais plus quoi faire. Je sais que tu me files un peu les doigts. Je connais pas de quoi pour t'avoir. Ne me touche surtout pas, je t'en prie. Hein. Grégory, tiens. Où est-ce que tu vas? Tiens, c'est pour moi, je t'en prie.